Y aller un peu remonter hein. Oui. C'est un peu en malade de piscine pour ces créations de trucs. Mais sur la route, les concurrents ils passent plus. Ah, je sais pas, ok. Bonjour, il y a des coureurs qui vont passer sur le trottoir. Allez, go, go, go. Allez, Elliot, allez.
Bon bah tant pis. Attends, j'arrive, attends, mon mari, j'arrive. Allez, j'espère qu'il y a des lots de... Des compos.
Le premier. Il y a du monde hein, quand vous arrivez. La Gironde. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Allez, on va laisser à l'issue de cette arrivée la parole à Madame le maire du 10e arrondissement de Paris. Bien pour les spectateurs et surtout pour les formidables coureurs qu'on admire de toutes nos forces là. On va dire notre plaisir et mon plaisir de maire de vous accueillir, de voir que ce canal qu'on peut nager dedans, qu'il est assez propre pour qu'on puisse nager dedans. J'ai l'impression que l'eau n'est pas si froide que ça en plus ce matin. Elle est plutôt agréable, voilà, elle est bonne. C'est aussi important pour nous hein, qu'on puisse... notamment quand il fera très chaud, pouvoir venir se rafraîchir dans le canal. Donc c'est ce que vous nous aidez à préparer. Et puis, chers sportifs, cette épreuve dont aucun d'entre nous n'est vraiment capable, on est content qu'elle puisse avoir lieu ici au canal Saint-Martin. La semaine dernière, on chantait au canal Saint-Martin. Cette semaine, on nage au canal Saint-Martin. C'est un lieu de vie, c'est aussi un lieu de plaisir. Et en ce moment, on en a besoin de ces moments de plaisir. Donc merci à vous, merci à vous. Merci Madame le maire. Allez, évidemment, on se donne rendez-vous dans quelques instants pour le départ. Tu veux la... Et bien pour le départ de la poule 2. J'ai une autre chose. La mort ou cousine. Allez, on va procéder donc au briefing pour la poule 2. C'est un con. C'est quasi en recherche, je crois.